Mes chers maîtres Zaïgo, Vilius, Voldevest, Gudalf, la Beaufessie, nous sommes réunis ici car un événement grave vient de résonner à travers les franges. Ce qui avait été prédit est sur le point de s'accomplir. Maître la Beaufessie, rappelez-nous la Beaufessie. Lorsque disparaîtra le porteur du béret, qui guidera les Zaïgo par de nombreux aspects, alors sera perdue la connexion quantique, début d'une série d'événements tragiques. Encore ce texte, Ben Kenisti, on l'entend depuis déjà longtemps, tu le répètes périodiquement. Toujours là pour faire monter la tension, Vilius. Mais maintenant c'est du sérieux. Le maître Salagnac, le porteur du béret, a disparu. Mais nous ne sommes pas prêts. Et alors, tout est écrit dans la Beaufessie, pas de quoi nous inquiéter. Les polaires réserves viennent nous aider, si on comprend pas le texte. Mais que faites-vous de la connexion? Et du porteur du béret? Nous avons envoyé notre champion, le chevalier Granola, partir à sa recherche. C'est pas la meilleure solution. Pouvons-nous écouter le reste de la Beaufessie? Car sans la connexion, l'équilibre brisé, la comète mystique du grand patron cosmique, libérée de ses chaînes, dans sa course effrénée, arrivera sur Terre lors du contact optique. Les forces jusqu'ici unies au sein des franges n'interféreront plus, divisées par un schisme. Voie des polariseurs au chemin du Bioxbang, tous chercheront comment freiner le cataclysme. Pourquoi reviens-tu à notre conseil, Rianos? Tu as renié l'ordre Zaïgo il y a bien longtemps. Je viens à vous car la Beaufessie a commencé. Regardez-vous, vous êtes déjà divisé par votre orgueil. J'ai choisi mon chemin. Contre un tel cataclysme, seule une force de frappe équivalente est la solution. Je viens vous demander votre aide pour préparer le Bioxbang. Alors, vieux maître, que vas-tu faire maintenant? J'ai enfin accompli ce que l'ordre Zaïgo m'a refusé il y a tant d'années. Le Bloxbang est en route. Crier victoire trop vite, tu ne devrais pas, impétueux Rianos. Même devant l'évidence, tu refuses d'admettre ta défaite? Tous les maîtres Zaïgo sont morts ou à mon service. Tu es le dernier d'entre eux? Non, il y en a un autre. La folle, de nous dire ce que tu sais sur nos ennemis. Est-ce que sont devenus nos collègues? Les autres? Mais oui, je sais où sont les autres. Ils sont si mignons avec leurs petites pattes et leurs petites moustaches. Les raccoons, oui, c'est ça. Mais putain, pas les ratons laveurs, les reptiliogs. Et Mourad? C'est vrai. Oh non, nos amis ont disparu. Il faut absolument les trouver. Il faut trouver qui est à la tête du complot. Mais putain, qu'est-ce que tu racontes? On l'a vaincu, Darvilius. T'étais avec lui en plus. Et avec Voldevest aussi. On sait qu'il suivait les ordres de quelqu'un. Vas-y, parle, qui c'est? Oui, oh mon dieu, mon maître, je dois le retrouver. Oh mon dieu, si je ne retrouve pas les Yoxcrux avant eux, ça va être terrible. Ou alors je pourrais le céder éventuellement. Peut-être que... Mais non, je ne peux pas. Le grand puissant serait toujours là. Il serait toujours là. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est quoi son plan? Il a fait quoi des autres? Le grand puissant, ah non. Je n'ai rien dit, oubliez tout ça, oubliez. Oui, je ne peux rien vous dire. Les petits raccoons dans la forêt, pense aux petits raccoons, ils sont si mignons. Vous devez savoir que... Non, ne dis rien. L'emploi du temps de Rianos. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai dit?
L'agent Bargamot a réussi à nous obtenir d'informations qu'on attendait depuis des semaines. Maintenant, c'est à vous, Escadron Papillon, de réussir à nous obtenir le planning de Rianos, et ainsi on pourra s'infiltrer chez lui. Escadron Papillon, bien reçu. On rentre. Escadron Papillon à centrale. Je sais dans la bergerie. Ok, on vient de récupérer le planning. Le prochain kéno, c'est dans 5 minutes. Agent Sucre-Botable, c'est à vous de jouer. Ah merde, c'est pour plus tard ça. Sont cuits. J'espère que les informations de l'agent Bergamot sont correctes. Tendu. Ils ont des vigiles. J'en vois pas. Halte là. Que fais-tu là, renégat? C'est parce que tu crois, j'ai été capturé par les reptiles. Mais en soi, mon dieu, c'est Dark Vidius. Laissez-moi le rejoindre. S'il te plaît. Je vous crois pas. Vous avez éliminé notre membre le plus ancien, Maître Jakub Yoda, respecté de tous. Quand Rianos le Sage a-t-il abandonné la raison pour la folie? Silence, Goudalf. Dis-moi, comment le plan doit-il se dérouler? La théorie du Bioxbang, établie par le professeur Ballon-Bleu-D'Or, se base sur le principe de l'émission laser, mais à l'échelle multidimensionnelle. Les électrons, changeant de niveau d'énergie, correspondent alors à des êtres humains changeant de dimension. Lorsque vous avez claqué des doigts, vous avez envoyé la moitié de la population dans le monde des franges. Mais attendez, ils sont vivants? Pour déclencher le Bioxbang, vos agents devront envoyer eux-mêmes cette moitié dans notre monde le jour du contact optique. Ce détail est primordial, car si les Reptiliox reviennent dans notre monde par leur propre volonté, l'émission sera spontanée et non stimulée, et l'effet de destruction voulu n'aura pas lieu. Bien, très bien. Mais quelque chose me seuille l'esprit.
Avant de disparaître, Jacob Yoda m'a dit qu'il restait un Zygo en liberté. Non. C'est impossible. Oui, c'est ce que je me suis dit au début. Mais j'ai réfléchi. Il en était un dont le destin ne m'a jamais été connu. L'auteur de la Beaufessie qui annonce l'arrivée de la comète. Si d'autres parviennent à le retrouver, alors mon plan risque d'être déjoué. Mais c'est invraisemblable. Pour cela, il faudrait retrouver son parchemin qui a été perdu il y a bien longtemps dans les terres turbulentes du Nord. Vous avez entendu ça, chef ? Ok, bien joué, équipe Brocoli. C'est toi qui as fait ça ? Oui. Je sais pas ce qui m'a pris. Une pulsion. C'est pas grave. Sans ta loyauté. Je suis libre. Oh ! Ah ! Notre priorité va être de ralentir Rianos. Pour ça, agent supplémentable, tu vas t'occuper d'être resté en contact avec la Suède pour chercher le parchemin. Et pendant ce temps, les autres, vous restez avec moi. Quelque chose ? Les Vikings. J'arrive. Vite ! Où est ce parchemin ? Mais où est ce maudit parchemin ? Faut vraiment pas. Regarde, la dernière strophe. Pour qui saura déjouer les illusions factices, la victoire n'adviendra qu'au prix de sacrifices. À la source antique de pouvoir infini pourra être appelé le Zygo Beaufessie. Lorsque disparaîtra le porteur du béret par de nombreux aspects. Des polariseurs au chemin du Bioxbang. Les sacrifices. Le Zygo Beaufessie. Ah Nicolas, vous voilà, le temps est enfin venu, mais vous êtes seul ? Où sont passés les autres ? Ils s'occupent de Rianos, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le ralentir. Mais qui êtes-vous ? Vous pouvez nous aider à sauver mes amis ? Vous avez beaucoup de questions, et je le comprends. Mais laissez-moi commencer par le commencement. Il y a bien des éons de cela, le monde était maintenu en paix par le grand ordre des Zygo. Ils avaient acquis leur capacité à maîtriser les franges grâce à leur connexion au grand capitaine, gardien de la comète.
Je faisais moi-même partie de l'ordre autrefois et j'en étais fier. Mais petit à petit, j'ai vu les Aigos sombrer dans l'arrogance et le désir de contrôle. Tu siégeras au conseil, mais nous ne t'accorderons pas le rang de champion. Comment vous pouvez me faire ça? C'est un affront! C'est injuste! Assieds-toi, jeune Zaigo. Je ne pouvais laisser faire cela. Il fallait remettre tous ces anciens protecteurs avides de pouvoir à leur place. J'ai donc décidé d'agir, en coupant leur connexion, mais aussi en écrivant un texte, une prophétie, la beaufessie que vous tenez dans vos mains. Cette prophétie, si elle est correctement interprétée, permettra de rétablir le réel équilibre. La disparition du Zaigo Salagnac, détenteur du secret de la connexion, en fut le déclenchement. Le porteur du béret a disparu. Je viens vous demander votre aide pour préparer le Bioxbang. Le Bioxbang n'est pas à prendre à la légère, Rianos. Si Salagnac a bel et bien disparu, l'ordre Zaigo devrait se tourner vers les polariseurs. La prophétie nous offre une longueur d'avance. On devrait saisir la chance dès maintenant. En ce qui concerne ce sujet, je me tournerai vers la sagesse de Ben Kenisti. La théorie du Bioxbang est bien trop dangereuse. Vous ne distinguez plus la vérité. Vous prenez les pires décisions depuis des années. Moi je suivrai Rianos. Ok, intéressant. Et juste pour mes amis dans cette histoire, comment... Il s'agit de la deuxième étape de mon plan. Ils sont chargés d'enquêter sur ce qu'il est advenu de Salagnac, en prenant conseil auprès des polariseurs dans le monde des franges. Le monde des franges. Mes amis, vous voilà enfin. Nous sommes dans le monde des franges. Le contact optique approche, comme la prophétie l'avait écrit. Je vous comprends, vous devez vous sentir perdu. Mais vous avez une mission à remplir. Les polariseurs ont la réponse à tous nos problèmes. Je ne peux m'y rendre moi-même, malheureusement. Je dois garder la connexion avec le monde réel. C'est donc à vous de vous en occuper. Mais attention, les fantômes de nos amis rôdent. Dispersez-vous, pour ne pas qu'ils vous arrêtent. Que les franges soient avec vous. Par conséquent, il va nous falloir retrouver la Blanca. T'es sûr qu'on a trouvé? Oui, allons-y. C'est parti. Ce monde étrange dérègle mon système chromatique. Oui, moi aussi je suis perturbée. Je n'arrive pas à me repérer dans les corps de mes cellules. Enfin bref, avançons, nous avons des choses à faire.
à vous de jouer maintenant. Rattrapez les Reptiliox et déclenchez l'émission stimulée. Oui, maître, mais j'attends depuis déjà très longtemps cette vengeance. Pour rayer le chevalier Granola et ses alliés, vous pouvez compter sur nous. On est bien. Ah, ce chemin optique est si long. Et puis tu l'entends, cette voix de Darvidius dans ta tête. Ouais, peut-être, mais non, mais c'est pas ça qui est important, suis-moi Lucas. Mais de quoi? Qu'est-ce qui est si important dont tu veux me parler? Faut que je te montre quelque chose. Mais tu me promets de pas t'énerver. Je te promets, on a toujours été sympathiques. C'est vrai, mais tu sais, ces derniers temps, je te reconnais plus. Tu deviens trop corporate avec tes reptiliocs et tous ces délires. Ouais, mais ils sont sympas. Leur pensée est cohérente et je me sens en phase avec leur projet. C'est des bons gars. Écoute, peu importe. J'ai retrouvé le béret. Mais pourquoi tu l'as pris? On n'est plus dans ces manigances. Et tu sens pas au fond de toi un manque du bon vieux temps, cette époque? L'époque où on était les Darvin Darvilius? Non, non, avant ça, tu sais, on jouait du Celtic Steampunk avec les potes, on disait du carton, quoi, c'était la belle vie. Ouais, mais c'est le passé, ça, on est gentil maintenant. Gentil, gentil, on n'est même pas payé, on n'a pas de salaire. Et puis on fait de mal à personne, on faisait que d'idées du carton, quoi. Que le Celtic Steampunk, ça me manque. Quelle bonne musique. Écoute Lucas, une fois que toute cette histoire est terminée, avec le béret on va se refaire, on reprend la musique, on reprend les cartons. Et pas de reptiliox qui interfère dans nos plans. Exactement. Ok. T'entends cette voix là? Bien sûr que oui, j'étais là depuis le début. Tu vas où? Traître. Moi un traître? Oui, toi. Moi je suis gentil maintenant, je suis un reptile. T'es un reptile? Ouais. Vas-y, roule. Regarde. C'est le triangle sacré. Exactement. T'es vraiment un reptile? Oui, et toi aussi? Comme c'est mignon. Je pense... C'est la rondeur de messe. C'est mal de messe. Non. Non. Inspecteur, votre expertise est nécessaire pour résoudre ce mystère. Quel est votre plan? Je pensais utiliser le retour de la charentaise. Ça m'a été bien utile la dernière fois. Après, faut faire attention, les fausses pistes, les pièges. La dernière fois, ils avaient utilisé des brocolis, imaginez. C'est un peu dangereux, et puis ils étaient même pas bio, quoi. Mais il est toujours comme ça, là? Bah ouais. En vrai, j'ai un meilleur plan. Écoutez-moi, vous allez être surpris. A few moments later. Grand polariseur, nous sommes venus vous demander conseil. Serait-il temps des envoyés de Rhianos? La prophétie nous envoie. Quelle preuve apportez-vous de votre bonne polarisation? Quelle preuve désirez-vous? Vous avez 56 degrés pour passer l'épreuve. C'est une énigme. 56 degrés. C'est l'angle comme Brewster, non? C'est un plan pour les distraire. Après, si on essaye de convertir les 56 degrés en seconde d'arc, on aura une équivalence temps. Et on saura exactement ce qu'on devra faire. Nous attendons depuis des éons. Personne n'a jamais réussi notre preuve. Ce jeune homme pense en dehors des limites. Quoi? Mais c'est juste un bouton, et il l'a trouvé tout seul, par hasard. C'est ce qui fait de lui un être exceptionnel. Mais je dois dire que personne n'est arrivé aussi près de la solution que toi. Nous sommes la place. Et Huygens, premier disciple de la prophétie. Avez-vous connaissance? Le star du tigre? Un tigre? Alors, écoutez-nous bien. Il y a bien longtemps, l'ordre Zaïko a confié le secret de la connexion à l'un de ses membres afin qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Ce Zaïko se nommait Salaniak, le porteur du béret. Lorsque la prophétie décida de rompre la connexion, il fit appel à nous afin de ne pas connaître les détails et de ne pas interférer lui-même contre son plan.
Nous avons donc fait appel à une magie proche de celle des granola secrets. Je suis un maître Saïmo, prends la place. Mais c'est toi. On aurait dû te rentrer dans ton domaine il y a bien longtemps. Afin d'enfermer Salagnac dans une effigie de tigre, et avons caché son béret, qui sert de catalyseur à son emprisonnement. Si vous voulez rétablir la connexion, il vous faudra réunir le tigre et le béret, et souhaiter la délivrance de Salagnac en prononçant ces mots. Salagnac, nous te libérons de ta prison féline. Voilà votre mission. Nous avons la solution. Il faut dire aux autres de récupérer le tigre, c'est la clé. J'envoie l'info à la Beaufessie par la transformation de Fourier. Courez! Mais qu'est-ce que vous faites, bande de tarés? Arrêtez, calmez-vous. Tout va bien se passer. Nous allons bientôt traverser le portail pour revenir vers notre monde. Faites attention, ne vous perdez pas. Le monde des franges est un passage vers une multitude d'univers. Tombez dans l'un d'entre eux et on ne vous reverra plus jamais. Je ne garantis pas votre retour. Frérot, c'est encore toi qui fais tout le boulot? T'es sérieux là? Aragorn, mon tendre Aragorn. Voyons, réfléchissez. Il est leur seul espoir. Non, moi je dis rien, c'est toujours Bibi qui fait tout le boulot comme ça, c'est toujours nous. On fait que bosser, moi j'en ai ras le cul, tu comprends ça? J'en ai marre, j'en ai ras le cul, j'en ai plein les couilles. Certes, il est vrai que notre retraite prend son temps, mais c'est pour le bien de l'humanité, tu comprends? Voilà enfin, misérables aberrations. C'est donc vous, les responsables de la chute de mon empire. Vous voilà maintenant piégés sur ce pont diviseur de courant. Le chevalier Granola n'est pas là. Quel dommage. Frérot, il se passe quoi là? Qu'est-ce que t'as pris là? Il y a des fantômes qui arrivent partout. Vous allez payer pour tout ce que j'ai subi. Avec vous meurent tous les espoirs de l'ordre Zigo. Cependant, il n'est pas encore trop tard. Peut-être vous rejoindre à moi. J'ai enfin trouvé. Ils ont réussi. Vous devez maintenant aller chercher le tigre. Jonathan a dit que vous comprendrez. Ma mission ici maintenant est terminée. Mais il me reste une dernière tâche à accomplir. Vous, de votre côté, allez vers votre destin. Bon courage. Merci. Bonjour, mon vieil ami. Il est là. Fuyez, pauvre fou! N'aie crainte. Je ne le crains pas, et tu n'as pas à le craindre non plus. Je suis venu te déconvoluer, Gudalf. Le temps des Aigo est terminé. Il est temps pour nous de repartir vers la Biréfringence. Viens avec moi, Gudalf. C'est ainsi qu'on m'appelait. Gudalf le bruit. Je suis Gudalf le bruit blanc. Maître Belgensti, j'ai besoin de votre aide. Rianos est sur le point de déclencher le Biosprang. On est très peu, et la moitié entre nous a déjà péri. Que dois-je faire ?
Ne perds pas espoir, jeune Reptiliox. La mission que je t'ai confiée il y a bien longtemps est sur le point de toucher à sa fin. La bataille qui s'annonce déterminera si les franges retrouveront une forme de cohérence ou sombreront dans les oscillations incertaines du chaos. Mais comment puis-je y parvenir? Je ne vois pas de solution. Nicolas est parti. Je n'ai plus de nouvelles. Et le contact optique a lieu dans quelques heures. N'aie crainte, les Reptiliox te suivront tous jusqu'au bout. Le sang du chevalier Granola coule dans tes veines. Si je devais choisir aujourd'hui un seul groupe capable d'arrêter le Bioxbang, c'est encore sur vous que je placerai tous mes espoirs. Allez, on va à gauche. À gauche. Soldats dans le tigre. C'est la niaque. Nous te libérons de ta prison féline. Thank you.
sais ce que vous voulez. Il reste plus beaucoup de temps. Mais un grand pouvoir implique un grand sacrifice. Il va me falloir un volontaire pour l'intrication. Voilà la solution, l'intrication. Le retour de cette science perdue par les Zygos m'a ramené de mon bannissement, en franchissant les barrières de l'espace-temps. La comète et moi étions dans une superposition quantique d'états, et ma présence n'était simplement pas observable. Rends-toi compte, Dianos, détruire la comète aurait détruit la quantique. J'ai toujours voulu le salut des habitants de ce monde. Je n'ai fait que ce que je pensais nécessaire. Tu es pardonné. Le chaos n'est qu'une fonction d'onde de l'harmonie. Et par ces événements, voilà les Zygos de nouveau réunis. Rejoins-nous maintenant. Le monde est désormais entre les mains de la génération suivante, pleine de potentiel. Que votre vie continue dans l'harmonie des franges. Et dans la seconde révolution quantique. La mission était achevée. La prophétie accomplie. Et le Bioxbang évité. Après les événements du contact optique, les reptiliobes pouvaient enfin laisser leurs démons derrière eux, pour bénéficier d'un repos bien mérité. C'est avec joie que les reptiliobes célébrèrent leur victoire. Encore, tu reprendras bien un peu d'huile d'olive avec ton huile d'olive. Et ainsi, voyages, aventures et découvertes reprennent leur cours. Car l'histoire ne s'arrête pas là, et de nombreux défis attendent encore ces individus singuliers. Si le destin les a choisis pour établir l'équilibre, ils doivent maintenant se forger leur propre avenir. Et quoi qu'il arrive, en continuant chacun sur leur propre chemin, pour le meilleur ou pour le pire, ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont vécu et resteront toujours unis par leurs aventures au cœur du monde des franges. We saw the lens reflect the light. We saw the granola night as the fringes cover our fallen brothers. We turned to less I go. The comet is coming. We'll be right back.
reptiliox, no matter what.